Salut à tous, c'est GL Prod. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, présentation de la piste. Donc là on a notre pote, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'entretient, un peu plus, et c'est là qu'on va tourner la plupart de nos vidéos. Parti pour vous montrer les meilleurs passages de la piste. Là on est au start de la piste, donc il y a deux lignes, une ligne là et une ligne là. Cette ligne elle est plus typée jump, genre là ça commence direct par un gap, puis il y en a un autre après et ça enchaîne sur pas mal de sauts. Et là... Envoie. Ah tiens. Et là, il y a la petite ligne enduro avec un petit pierrier. Assez sympathique, ça passe bien, il y a des petites marches et puis ça va enchaîner sur le reste de la piste. On a une belle ligne qui part de tout en haut, qui arrive ici sur un petit gap où tu drops là-bas, après au fond. 6 sauts en virage et voilà. Ça finit sur une petite ligne sympa qu'on va vous montrer en fin de vidéo. Ici c'est l'endroit qui sépare le haut de la piste au bas de la piste. Donc le bas de la piste c'est un peu une partie jump. Vous allez voir, c'est magnifique. Let's go pour notre step up, notre petite bossa tricks. Allez, c'est parti. Hop. Bon, là, on est sur la plus grosse base de la piste, la 9 mètres. On part de là et on arrive sur une récep qui est là-bas au bout, là où il y a un peu d'herbe et que ça descend. Elle est vraiment énorme. Donc aujourd'hui on la passera pas parce que c'est vraiment pas le moment de se faire mal. En période de Covid, tout ça, c'est vraiment pas le moment. Ouais, ride est safe. Bon, là on est à côté d'un bon petit saut. La spécialité de celui-là, c'est qu'on voit pas la récep. Quand on prend l'élan, on atterrit dans le vide. Ça fait un peu peur, mais franchement, c'est grave kiffant parce qu'on a un bon airtime. Donc juste ici, on se trouve à l'endroit qui arrive du saut où on voit pas la récep. On a pas mal de vitesse, hop, petit jump, step down assez sympathique. Et juste derrière, séparation de la ligne en deux, donc juste là avec la double qui finit ensuite sur le virage et avec un petit saut un peu plus kické qui finit dans le trou. Après le trou, on a le projet de faire une bosse à dirt, donc vous voyez là à côté de la table, il y a déjà un début de kick et ça va atterrir derrière. Mais c'est un projet, on l'a pas fini et il y aura sûrement une vidéo pour ça. Et là c'est la table, le saut qui nous a demandé le plus de temps, là où c'est qu'on prend le plus de fun. Ah clairement c'est le meilleur. Elle fait à peu près 5 mètres de long, donc du haut du kick au haut de la récep, et vraiment pépite. Là on est juste après la table qui est là, où on a fait le plus gros virage de la piste, il passe tout là, et après ça ramène sur un bump track, qui ramène à la table, c'est là qu'on se pose généralement. C'est l'arrivée des lignes, la ligne du milieu et la ligne de gauche, elles se rejoignent toutes ici, et finissent par le bump track. Vous en souvenez de ce qu'on a dit au début? Et voilà. Ça finit sur une petite ligne sympa qu'on va vous montrer en fin de vidéo. Et bien voici la ligne. Donc là il y a une double, deux doubles et trois doubles. Mais après là c'est pas fini parce qu'on atterrit dans la broussaille quoi. On atterrit là-bas. On n'a pas fait la récep encore. C'est vraiment un projet qui est en cours de construction. Bon là on est sur un autre projet. Vous voyez il y a plein de palettes en dessous de moi, c'est parce qu'on veut construire un gap là. Qui va atterrir juste là, c'est à la suite des doubles qu'on vous a montré juste à l'heure. Voilà, on vous a présenté tous les sauts et spots de la piste. Maintenant place à l'edit. Yeah, parti. Allez. Tell you what I saw when you break it.
Bon, voilà, on vous a montré notre piste. Ça fait 2 ans qu'on la shape. Elle appelle pioche, brouette et tout, rien qu'à la main. Il y a un Insta pour cette piste qui s'affiche là, MTB Life FR. On va essayer de se tenir à environ une vidéo toutes les 2 semaines. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.